Ce lundi 31 mai, France 5 propose à ses téléspectateurs de découvrir ou de redécouvrir La vie est belle. Un film italien incontournable sorti en 1997 réalisé par Roberto Benigni, qui cumule pas moins de 63 distinctions et qui a même été triplement récompensé aux Oscars en 1999. Celui-ci se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et suit l'histoire de Guido, un jeune Italien juif qui est déporté en Allemagne avec son fils de 5 ans, Josué, en 1943. Confronté à l'horreur des camps, le père de famille va alors tout faire pour protéger son fils en lui faisant croire qu'ils sont en réalité dans un jeu. Il lui explique que les tâches difficiles qui leur sont assignées sont en fait des missions qui leur permettront à la fin de remporter un véritable char d'assaut. Si est-il dans ce film qu'a été révélé le jeune Giorgio Cantarini, le comédien qui campe le rôle de Josué. S'il n'était qu'un enfant à l'époque du tournage, il a depuis bien grandi. Désormais âgé de 29 ans, le jeune homme a poursuivi sa carrière dans le cinéma après le succès de La vie est belle. En 2000, il a notamment interprété le fils de Maximus dans le film oscarisé, Gladiator de Ridley Scott. Par la suite, il a décroché de plus petits rôles dans plusieurs longs métrages italiens avant de refaire parler de lui en 2005 en apparaissant brièvement à la télévision dans l'émission Ballando con le Stelline, équivalent italien de Danse avec les stars mais version enfant. Sa participation aura cependant été de courte durée, puisque Giorgio Cantarini a été obligé d'abandonner le projet en cours de route à cause de ses démêlés avec le fisc italien. Giorgio Cantarini fait carrière en Italie bien qu'il se fasse plus discret aujourd'hui, Giorgio Cantarini entend bien continuer à percer dans le monde du 7e art mais à l'international. Il est riche d'un diplôme de la prestigieuse National School of Cinema de Rome qu'il a rejoint en 2012, mais également d'une formation à la New York Film Academy, aux États-Unis. L'une de ses dernières apparitions marquantes à l'écran date de 2018. Il avait été choisi par Bobby Moresco pour tenir un rôle dans Lamborghini, The Legend, aux côtés de Antonio Banderas et Alec Baldwin. À noter que ces dernières années, Giorgio Cantarini se distingue également dans de nombreux téléfilms ainsi que dans des séries italiennes telles que Distretto di Polizia ou Flatmat. De quoi remplir encore un peu plus son CV avant que de nouveaux réalisateurs viennent frapper à sa porte.